Une fille née dans l'aristocratie, mais née avec un nez de cochon. Elle fait fuir tous les hommes qui viennent à sa rencontre. Cet homme est sorti en courant de la maison de sa compagne, terrorisé. En courant, il a dit « Aidez-moi ». Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un cochon qui avait un rendez-vous arrangé avec lui. C'est ce que Pen vit tous les jours. Enfant, elle a été maudite à cause de sa famille. Elle a un groin de cochon. Le seul moyen de se débarrasser de la malédiction était de trouver quelqu'un qui l'aime vraiment et qui soit la bonne personne pour elle. Mais jusqu'à l'âge de 20 ans, cette personne n'était pas encore apparue. Ses parents ont tenté un traitement médical. Les médecins leur ont dit que l'opération était presque impossible. La mère est restée à l'extérieur de la maison pour que personne ne sache à quoi ressemblait sa fille. Mais un journaliste audacieux s'est caché dans le placard pour prendre des photos. La mère a frappé le journaliste à l'œil droit. Les parents ont annoncé la mort de leur fille pour qu'elle grandisse en toute sécurité. Ils ont ensuite organisé des funérailles en grande pompe. Depuis, Pen vit dans le château en attendant l'homme qui l'épousera. Ce jour-là, Pen a eu 18 ans. Sa mère lui a trouvé un marieur pour choisir les hommes nobles dont elle était digne. Le premier homme qu'elle a rencontré était atteint d'une forte myopie. L'homme met ses lunettes et voit la fille au visage de cochon devant lui. L'homme s'enfuit, effrayé, craignant de ne pas courir assez vite. Il brise la vitre et saute par la fenêtre. C'est le quotidien de la famille Pen. La mère a fait remplacer les fenêtres par du verre pare-balles. Mais les hommes ne peuvent toujours pas les empêcher de s'enfuir. Ce jour-là, un groupe d'aristocrates est venu à la maison. Pen en a assez des rendez-vous galants. Elle est simplement apparue devant tout le monde. Ils se sont tous enfuis, effrayés. Pen a regardé ces hommes hypocrites et est sorti de la pièce en silence. Pen était dévastée. Cela faisait 7 ans qu'elle était dévastée. Non seulement à cause des hommes qu'elle voyait, mais aussi à cause des paroles de sa mère qui la faisaient se sentir impuissante. C'est le premier rendez-vous à l'aveugle d'une fille riche. L'homme est satisfait de ses conditions, mais il a bien vu la fille riche et s'est enfui. Effrayée, elle voulait sortir pour se promener, mais sa mère l'en empêche. Sa mère craint qu'elle ne soit attaquée en raison de son apparence. Les deux femmes se disputent. Soudain, un homme apparaît dans le moniteur. Un homme qui n'a pas été effrayé par Pen. Il s'avère que l'homme était caché derrière le canapé et tripotait la caméra lorsque Pen est apparu. Il n'avait pas vu le vrai visage de Pen. Il avait été engagé par un journaliste pour prendre une photo de Pen. Pen parle à l'homme à travers une glace sans teint. Elle a rapidement été attirée par sa personnalité amusante et lui a même proposé d'aller dans un bar plus tard. Après quelques jours passés ensemble, Pen se libère même de son cœur. Elle apparaît derrière lui alors qu'il joue du piano. L'homme est manifestement déconcerté, mais il ne s'enfuit pas. Il tend la main pour toucher le visage de la jeune fille, mais n'a pas l'intention d'activer la caméra. L'homme jure. Pen l'entend et s'enfuit de la pièce. Attristée, elle pensait que l'homme n'aimait pas son apparence autant que les autres aristocrates. Furieux, il retrouve le journaliste. Il sort l'appareil photo de son costume et le frappe. L'appareil est déchiré. L'homme avertit alors le reporter de ne pas s'approcher de Pen. Au fil des jours, l'homme se rend compte qu'il a développé des sentiments pour Pen. Il décide donc de ne plus jamais accepter l'emploi de la journaliste. Mais la mère de Pen assiste à la scène. L'homme va le chercher pour s'expliquer. La mère ne le croit pas. À ce moment-là, Pen sort de sa chambre. Elle explique à l'homme la raison de son nez de cochon et veut qu'il l'épouse. L'homme n'est pas d'accord. Bien qu'il ait de vrais sentiments pour Pen, mais il n'est pas un vrai noble et ne remplit pas les conditions pour lever la malédiction. L'homme est donc chassé de la maison. Pen s'assoit tristement sur le sol. Elle rencontre un homme qu'elle aime. Mais en vain. Pour la première fois, Pen s'ennuie au château. Elle a envie de s'enfuir de chez elle. Elle se promène dans les rues par une nuit d'hiver avec une écharpe. Pour la première fois depuis 25 ans, elle sort. Pen entre dans un hôtel. Le réceptionniste lui dit qu'il reste une chambre 8. Pen le remercie poliment et s'en va. Le réceptionniste a l'air perplexe. « Vous ne voulez pas cette chambre ?» Bien sûr qu'elle la veut. L'employé lui dit alors de s'enregistrer. Pen a l'air embarrassée. Elle n'avait jamais séjourné dans un hôtel auparavant. Bientôt, l'employé l'a inscrite. Elle a enfin pu voir une vraie vue de la ville. Le lendemain, Pen sort et voit sa vilaine photo dans le journal. Elle est furieuse. Elle a contacté le journaliste et lui a remis ses vraies photos. Ensuite, elle a décidé de s'amuser. Pour la première fois, elle s'est promenée sans complexe dans la foule. Soudain, elle aperçoit un bar. C'est celui que l'homme lui avait indiqué. Elle est entrée sans hésiter et a commandé une bière. Elle ne l'a pas eu. L'employé lui dit de l'attraper avec sa main. C'est alors que Pen a réalisé. Elle a rencontré un ami ici. Ils traînent ensemble. Pen envoie aussi des photos de ses voyages à la maison. Elle n'avait jamais été aussi heureuse depuis 25 ans. Mais bientôt, ses parents découvrent l'adresse de Pen en se basant sur les photos. Pen s'est retournée et a couru. L'écharpe la recouvrait et elle ne pouvait plus respirer. Elle avait à peine atteint le bar qu'elle s'est évanouie. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle s'est retrouvée à l'hôpital. Et la lumière ne cessait de clignoter à l'extérieur de la fenêtre. Qui peut sauver ce bébé? Elle est née avec un visage de cochon. La famille a dû la garder à la maison pour éviter toute répercussion sur la famille. Curieuse, Pen tire les rideaux. Les caméras ont envahi la fenêtre. Même lorsqu'elle est sortie de l'hôpital, elle était entourée de journalistes. Pendant un certain temps, Pen a été la coqueluche des journaux télévisés. Tous les articles la concernant faisaient la une des journaux. Peu à peu, elle a été acceptée par tout le monde. Un jour, un député la demande en mariage. Il s'est avéré qu'il l'avait demandé en mariage à contre-séure afin d'obtenir le soutien de ses électeurs. Mais sa mère n'a pas hésité à dire oui. Elle voulait que la malédiction de Pen soit rapidement levée. Bientôt, le jour du mariage, Pen regarda le conseiller réticent. Elle savait qu'elle ne serait pas acceptée par lui. Elle se tourna vers ses parents, ses amis. Ils attendaient tous avec impatience le moment où leur malédiction serait levée. Elle savait que la malédiction ne serait pas levée même si elle épousait le député. Sous l'impulsion du prêtre, elle a dit non, s'est retournée et a fui les lieux. Sa mère s'est précipitée à sa suite. Il n'était pas trop tard pour qu'elle revienne à la cérémonie de mariage. Vous n'êtes qu'un, je le veux, d'une nouvelle vie. Mais Pen n'a pas voulu écouter. Elle a dit qu'elle aimait ce qu'elle était. Soudain, une force s'est emparée d'elle.
Un million d'images ont défilé dans l'esprit de Penn et elle s'est évanouie. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle avait retrouvé son apparence normale. Il s'est avéré que le moyen de lever la malédiction n'était pas d'épouser un noble, mais d'accepter sa vraie nature. La mère regarda sa fille, qui était redevenue normale, et se sentit coupable. C'était son amour bien-pensant qui avait causé tant de souffrance à sa fille. Penn ne lui en veut pas. La famille s'est serrée dans les bras les uns des autres. Un jour, Penn reçoit des papiers. Elle apprend la raison pour laquelle l'homme l'a refusée. Dans l'esprit de Penn, il n'était pas un noble mais mieux qu'un noble. Penn retrouve donc l'homme. Elle apprend de lui qu'il l'aime toujours. Mais il ne pensait pas pouvoir donner à Penn tout ce qu'elle voulait. Et il ne voulait donc pas l'éloigner de lui. Penn enlève son masque et se révèle à l'homme, qu'il aime vraiment. Je pensais que le film allait être une histoire d'amour cliché. Le protagoniste est maudit et doit trouver le véritable amour pour s'en débarrasser. Mais le film m'a dit qu'il n'y avait pas de prince. La princesse est capable de briser la malédiction parce qu'elle a le courage de s'accepter. Ce n'est pas un conte de fées au sens traditionnel du terme. Mais l'amour est tout aussi touchant. C'est la fin du film d'aujourd'hui. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le liker et à le commenter. À demain.